Bonjour, bienvenue sur L'Amour en Soi TV. Je suis tellement contente de retrouver toute ma belle communauté des amoureux et des amoureuses de L'Amour en Soi TV. Là, c'est l'automne. Moi, j'adore l'automne. Je ne sais pas si pour toi, c'est pareil, mais moi, je trouve que l'automne, c'est une période magnifique. Il y a plein de couleurs. On sent les choses qui sont en train de se transformer. On sent le renouveau. On sent que le vieux doit partir pour laisser place au neuf. Donc, pour moi, cette période me remplit vraiment de gratitude dans l'idée de transformation qui peut se passer dans la nature. Et au-delà de la nature, c'est la même attitude que nous devons adopter, nous aussi. Alors, je fais cette vidéo pour partager surtout l'idée que souvent les gens, j'ai remarqué, hein, moi j'en faisais partie aussi à une époque, quand arrive l'automne, on déprime. Les gens, il y a même une expression pour dire le blues d'automne. Il y en a qui ont la dépression, je sais pas si c'est le terme, si c'est la dépression, mais il y a le blues de l'automne. Alors que non, non, il n'y a pas de raison d'avoir le blues quand arrive ce temps de changement, de renouvellement. C'est beau, regardez comme les couleurs dans la nature, regardez toutes ces couleurs-là. C'est beau, ça annonce le changement, le renouveau. Il faut laisser partir l'ancien pour faire place au neuf qui va arriver tranquillement, doucement, avec en passant par la magie de Noël. Alors moi j'adore Noël. Noël, c'est magique, c'est féerique. Donc le changement se fait tranquillement en passant par la magie de Noël. Et puis après l'hiver, le printemps qui arrive. Et c'est le nouveau, les couleurs du printemps. Donc, ce message, c'était justement de partager l'idée de ne pas avoir peur de laisser partir l'ancien. Que tu sois dans un travail que tu n'aimes pas, que tu sois dans une relation qui ne te satisfait pas, que tu aies besoin de déménager, de changer de ville, si c'est le moment pour toi de le faire, vas-y, n'aie pas peur du changement, n'aie pas peur du renouveau. La nature elle-même opère ces transformations. Regarde, les arbres perdent leurs feuilles. Accepte toi aussi de perdre ce que tu as pour du nouveau, tout neuf, tout beau. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Accepte de suivre le rythme qui t'appelle au changement. Écoute ce qui en toi t'appelle vraiment à lâcher. Je me souviens quand j'étais à Lyon et que je devais venir à Toulouse, j'ai parlé avec des amis. Je leur ai dit que je venais vivre à Toulouse. C'était un ami roumain. Il me dit, tu sais, Sylvie, parce qu'il parlait pas bien français, il avait plus de vocabulaire en anglais, et il me disait avec son français, avec son accent assez écorché en français, tu sais que Sylvie, Toulouse, ça veut dire perdre, Toulouse, en anglais. Et plus tard, je me suis rendu compte, effectivement, je perdais tout. J'allais tout perdre, j'allais laisser mon appartement, j'allais laisser mes amis, j'allais tout perdre. Mais quand je suis venue à Toulouse, mais j'ai tout gagné. J'ai gagné en sérénité, j'ai gagné en assurance, j'ai gagné en beaucoup de choses. Et d'ailleurs, j'ai créé cette chaîne, alors que depuis longtemps, je voulais créer cette chaîne. Mais j'hésitais. Mais quand j'ai pris la décision de tout perdre, donc tout perdre ce que j'avais à Lyon pour suivre à l'époque mon compagnon. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais j'avais tout perdu, j'avais tout laissé. Je suis venue vivre avec mon compagnon et même si ça n'a pas fonctionné, je suis pleine de gratitude parce que quelle transformation, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné en assurance, j'ai gagné en estime de soi, j'ai gagné de nouveaux amis. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux amis à Toulouse, j'ai une belle vie à Toulouse, je me sens bien, je me sens dans mon élément. Et ça aussi, et même s'il fallait encore changer pour aller suivre une autre aventure, je serais prête à tout perdre.
pour aller là où la nature m'appelle, là où Dieu m'appelle, là où la vie m'appelle. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est que n'aie pas peur de tout perdre. N'aie pas peur de tout perdre. Quand la vie t'appelle à changer, à tout transformer, à tout abandonner, accepte et sois plein de gratitude. Regarde le grand livre de la nature, comment ça se passe. D'accord? Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Et je te fais profiter du beau paysage de l'automne. Regarde comme c'est beau. Waouh, toutes ces couleurs, c'est tellement merveilleux. Moi, j'adore. Moi, j'adore, tout simplement. Moi, j'adore. Allez, bisous. Ciao.